Wesh, les réseaux sociaux, ça part en vrille en ce moment. Entre ça et l'autre, là, la Kim Glow, là, qui a insulté la Tunisie. Eh, c'est une dictature, je suis coincé dans ce pays. Elle a presque insulté la Tunisie. Ensuite, elle a insulté, comment ça s'appelle? Elle a insulté les smicards. Oh, elle dit, ah, moi j'ai la plus belle des vies, je vais aller aux Bahamas, dans les îles, vous allez avoir votre vie de merde avec un smic. Oh, il y a des smicards, t'inquiète pas, ils sont propriétaires au bled. Toi, va claquer dans les hôtels, va. Et là, elle est en train de nous faire un complot du style, ouais, ils ont mis des puces microscopiques dans les vaccins, comme ça, ils nous contrôlent par la 5G. Ah, mais Baraka, toi, tu sais quoi, ils t'ont mis des puces électroniques dans tes lèvres, là, quand ils t'ont injecté du Botox pour avoir des grosses lèvres. Hein? Ils t'ont mis des puces électroniques quand t'as fait ta chirurgie, là, de partout, chirurgie de partout, de la tête aux pieds. Franchement, je vais pas être grossier là sur cette story. Voilà. L'autre qui nous dit, ouais, mais ça n'existe pas le corona, la preuve que t'as déjà vu quelqu'un qui est mort du corona. Ben, je sais pas, à moins que tu squattes avec des gens de 70, 80 ans, qu'ils ont plusieurs pathologies, ça m'étonnerait, tu vois. C'est plus rare les cas de moins de 60 ans qui sont morts du coronavirus. Donc, après, il y a des familles qui l'ont attrapé, mais la famille entière. Parce qu'ils étaient en contact prolongé et très longtemps, les uns à côté des autres. En fait, il suffit qu'il y en ait un dans une famille qui l'attrape, et puis si tu es en bonne santé, tu vas pas mourir du corona. Si en général, si tu as déjà d'autres maladies, un cancer, le diabète, de l'hypertension, tout ça, des maladies, voilà, que tu aurais pu vivre avec sans le corona, mais que le corona te met un coup, un finish him. Voilà, ça c'est mon avis, tu vois, après chacun son avis, je suis pas complotiste, moi. En général, je suis très cartésien, comme on dit. Entre ça et ça, ça me fait péter les plans. Et aussi les autres qui m'ont dit, ouais, tu dénonces pas l'autre, ceci, fait des placements de produits, tu le dénonces pas. Mais oublie, qu'est-ce que je vais le dénoncer? Moi, j'ai fait pire, moi. Moi, j'ai fait pire, franchement. J'ai fait pire, à la limite, moi, j'ai fait des trucs illégaux. Tu vois, par le passé, j'en suis pas fier. Voilà, j'ai été influencé par des très 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 mauvaises fréquentations. J'ai fait quelques conneries. J'avoue, c'est passé, c'est mon passé maintenant. Moi, j'ai fait des trucs illégaux. Donc, moi, je vais aller dénoncer quelqu'un qui fait des choses légales. Même le tiercé, gars. Même le tiercé. Va alors en Algérie, va en Algérie, va voir l'armée algérienne ou l'armée marocaine et dis-leur, ouais, vous autorisez le tiercé au Maroc, en Algérie. Va leur dire, tu vas voir ce qu'ils vont te répondre. Ils vont pas te sortir là, ça. Après, les jeux d'argent, moi, ma position, voilà, je vais dire ma position, je suis contre les jeux d'argent, mon père y jouait avant, tout ça, je suis contre les jeux d'argent, je joue pas, c'est mon choix. Voilà, c'est mon libre arbitre. Hein. Voilà, c'est autorisé dans certains pays les jeux d'argent. Voilà, ceux qui jouent 20, 30 euros, ça va, tu vois, tant qu'ils se ruinent pas. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils font ce qu'ils veulent. Tout musulman doit respecter les lois dans le pays où il est. C'est la moindre des choses. Donc, voilà, je vais pas cracher sur quelqu'un parce que j'ai des potes qui jouent, gars. J'ai des potes qui jouent. Moi, je vais pas leur cracher dessus, et très peu d'entre vous oseraient leur cracher dessus en face à face. Allez-y, en face à face, vous allez voir. Voilà, il y a des gens, c'est des potes, ils sont pas parfaits, c'est pas pour ça que je vais leur cracher dessus non plus. Moi, j'ai mon choix, je vous ai expliqué mon choix. Voilà, vous avez compris, je m'adressais pas aux gens qui me suivent, évidemment, je m'adressais à tous ceux qui font des drames. Sur certaines choses, chacun ses choix, comme j'ai dit. J'ai des potes, ils boivent, j'ai des potes, ils jouent, j'ai des potes, ils fument. Moi, j'ai arrêté de fumer, même, je suis passé à la vape. J'ai fait mes choix, mais c'est pas pour ça que je vais aller cracher sur mes potes, tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, là, je m'adressais pas à ceux qui me suivent, évidemment, je m'adresse à tous ces gens qui manquent de respect, tu vois. À la limite, tu peux dire à quelqu'un, oui, tu as le droit de dire oui, les jeux d'argent, frère, c'est pas bien. Voilà. Tu as le droit de le dire. Pas non plus de les insulter sur les réseaux. Voilà, parce que.
C'est comme Hess là. Hess, il se cache pas de boire tout ça, mais allez-y, allez-y contre Hess et son équipe. Vous allez voir, c'est que vous allez atterrir. Moi, je dis franchement, franchement, si tu améliores ton comportement, bismillah, tabarakallah, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi, c'est tout. Les autres, il y a des gens, tu peux pas les changer. Il y a des gens, tu peux pas. Même tu leur donnes des conseils, tout ça, ils en feront qu'à leur tête. C'est comme ça. Et c'est peut-être des gens de ta famille aussi. C'est pas pour ça que tu vas les haïr. C'est pas parce qu'ils font des conneries, des erreurs que tu vas haïr ton frère. Tu vas haïr tes cousins, tu vas haïr tes parents, ton père, tu vas haïr ton père parce qu'il a joué au tiercé. C'est ça que je voulais dire en fait. Allez, tchuss, à bientôt. Salut tout le monde, salut tout le monde.